Vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose, dans ce cours, dans ce nouveau cours, je vous propose la création de sites internet. Regardez, voici le design que je vous propose, hein, que j'ai déjà pris le soin de choisir. Ok, et c'est ce que nous allons voir dans ce cours. Donc, on va commencer aujourd'hui, puis progressivement, on va créer tout ce site. D'accord? Comme vous le savez déjà, quand on récupère un design comme ceci, il faut aller chercher les éléments, hein, il faut les éléments clés qui vont nous permettre, faut récupérer les éléments clés qui vont nous permettre de réaliser correctement le site. Donc ça, je l'ai fait en amont. Pour ceux qui ne savent pas comment récupérer les éléments du design, allez regarder les cours qu'on avait déjà fait sur le sujet, d'accord, pour pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui et dans les jours qui viennent, nous allons nous concentrer uniquement sur la création de sites web. Donc, à la fin, nous voulons que notre site web ressemble à peu près à ça. Bon, maintenant, concernant les photos, on n'a pas les photos, hein. Donc, pour les photos, on les remplacera par d'autres photos. Ok? Bon, je n'ai pas encore eu à travailler vraiment sur les photos, genre des personnes, des photos comme ça. Mais on va commencer à créer la structure et puis à la fin, on mettra les bonnes photos. Ok? Si vous êtes d'accord, on y va. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et on va aller créer notre site avec notre outil Sheeta. Donc Sheeta, c'est un outil de Builderall qui permet de créer aussi bien des sites internet que des tunnels de vente. Donc on va aussi aller simple. Nous, donc quand tu veux, on va prendre vierge. D'accord? On veut que ça soit tout blanc, qu'il n'y a rien dessus. Sélectionner ceci. Enregistrer et il est en train de générer notre site. Donc on va lui donner quand même un nom. On va l'appeler comment? On va l'appeler site sport. D'accord? Donc du coup je vais dessus. Comme ça, on aura un nom sympa pour notre site. Site sport. Bon, ici, c'est plutôt du spa. Donc on va mettre du spa. C'est un truc lié au yoga et tout. Donc je sais pas comment on va appeler ça. Bon, écoutez, on va l'appeler ça sport. Comme ça, c'est plus simple. On s'en fout un peu de ça, mais comme on va pas le mettre en ligne, mais si vous le mettez en ligne, tout ça là, c'est important. D'accord? Ça va servir pour votre SEO. Ok? La description, etc. Ce que vous mettez comme URL. Donc, j'enregistre. Et c'est parti. Bon, celui-ci, c'est l'accueil. Je vais quand même l'appeler accueil. Ou je non si je veux, d'accord, accueil, accueil. Donc pareil pour l'adresse. Si vous mettez donc un site que vous allez mettre en ligne, pensez mot-clé dans l'URL. Ok, donc nous on va pas se fouler, hein, on va mettre juste accueil, mais vous savez ce qu'il faut faire quand vous bossez, vous mettez description des description, ça aussi c'est important pour votre SEO, d'accord? 156 caractères, espace compris. On enregistre ça. Là, on a notre page d'accueil. Donc, pour l'heure, vous allez, on va faire simple, hein, notre site, ça va être un site à une seule page, d'accord? On va mettre tout ça là sur une seule page, ok? De temps à autre, on ira regarder la version PSD. Pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, ok? Parce que sur la version PSD, si vous savez pas ce que j'entends par version PSD, c'est que là on a une version JPEG, d'accord, ou plutôt JPG, ok? En version PSD, on va avoir toutes les couches et c'est là où vous récupérez vraiment les différents éléments. Attendez, je vais vous montrer ça hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça, je lance. Regardez. Ça, c'est une version PSD. Si je lance ça, vous allez voir comment ça s'ouvre et ce qui va se passer. Voilà, on lance le truc. Et c'est ici, au fait, c'est avec la version PSD que vous récupérez chaque élément en fait chaque élément de la page web. Donc vous voyez par exemple ici, il y a certaines couches qui ne sont pas sur la il y a certaines couches qu'on n'a pas sur la version JPEG, par exemple. Cette partie-là,
On n'a pas su la version, on ne voit pas sur la version JPG. Donc là, si vous venez là, vous regardez, on l'a pas, on le voit pas. Bon. Ils n'ont pas jugé bon de le mettre, mais on n'a pas. Donc éventuellement, nous, c'est des choses qu'on peut rajouter. Ok. Donc, on va commencer déjà à créer la structure et puis on va voir comment on va évoluer. Ok, je mets ça sur le côté. Pour que cela ne nous perturbe pas. Ok. Alors. Donc, nous avons notre page. J'utilise deux écrans. Donc, j'ai mon design sur l'autre écran. Et chaque fois, je vais l'ouvrir hein, pour qu'on puisse regarder si on est en train de faire exactement ce qui nous est demandé. Ok. Donc, on y va. Pap, pap, pap. Modifier. Vous avez vu si on analyse ce design, hein, il y a l'en-tête. Donc l'en-tête, on va essayer de la créer à part. On va la créer à part l'en-tête. D'accord? Et le pied de page aussi, on va la créer à part. Okay. Je pense que ça va être bien comme ça. Donc la page que nous allons créer va commencer à partir de la dame et on va descendre on va s'arrêter là à peu près, d'accord? Tout ça là c'est une seule page, d'accord? On va s'arrêter là à peu près, juste avant la carte, ok? Du coup, on y va, on va faire feu. Alors. Ah, celui-là. Voilà. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Donc ça, c'est notre première bannière dont on nous a gratifié. Voilà. On réduit ça un peu, on met ça sur le côté. Je peux aussi le supprimer, mais pour le moment, non, je ne vais pas le supprimer, je vais juste laisser là sur le côté. Bon, première tentative. On va aller. Je vais quand même importer les photos parce que les photos vont nous servir grave, comme dirait l'autre. Donc, on va aller changer. Je vais l'appeler. Je vais créer un répertoire hein, que je vais appeler sport. Comme j'ai beaucoup de trucs, ça va permettre de. Ça va permettre de regrouper tout ça au même endroit. Mon répertoire sport est là. Je vais aller choisir mon dossier. Alors, tout, tout, tout. Je mets ça quelque part ici. D'accord. Et je vais aller choper mon dossier là où il se trouve. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on chope le site. Il est où? On le trouve pas. Ok, ça tombe bien. Il faut le chercher. Alors, sport. Super, je l'ai trouvé. Il est là. Purée, si tu veux bien te déplacer, hein, il est là. Tous ces éléments qu'on a récupérés, on va se faire une joie de les ramener. De les ramener chez nous. Tac. Tout ça là, on les garde sous le coude. On utilisera ce qu'on utilisera, ce qu'on n'utilisera pas, on le laissera. Allez, donc on importe tout ça. Et du coup, comme d'hab, tu l'as importé, mais il n'est pas là. Il faut aller le trouver ailleurs. Donc là, c'est notre première photo que nous avons mis sous le. Donc dans la bannière. Ok? Donc, mis dans la bannière, si je regarde le design, regardez là. Ok. Il est là à peu près. Il est là à peu près. Ok, on va dire quoi? On va dire que la couleur de fond là, si je zoome un peu. Alors.
Donc cette première bannière, on va lui donner une couleur, on va lui donner cette couleur-là. Qu'est-ce que c'est comme couleur? J'en sais rien. Donc on va aller regarder. On va voir si on peut faire quelque chose. Paint. Est-ce que on peut... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est comme couleur? Ça va être compliqué à produire ça, cette couleur. On va aller regarder au niveau de... Alors, 241, 49, 251. Je vais fermer ça. On va aller regarder au niveau de... GIMP, hein, pour voir si on peut faire mieux. Au niveau de GIMP, on a ça. Donc, la bannière, on l'a forcément quelque part. Ok. La bannière, elle est là. Donc, on va dire, c'est la dame. Ça, c'est le fond. Et la bannière. Le fond. Bannière de fond, on va dire que c'est celle-ci. Si je vais dessus. Ok, la couleur là, c'est pas mal. Je vais la récupérer. C'est celle-ci. Vous voyez que c'est magique. Donc, du coup, je copie ça. Elle a dit que c'est quoi d'ailleurs? F6, F7, F7. Au cas où, hein, c'est pas copié. Parce que des fois, ça arrive. Tu veux copier quelque chose et puis ça n'a pas copié. Tu ne sais même pas pourquoi. Donc, F6, F7, F7. On va aller. On va changer la couleur de fond de notre bannière. Ctrl V. Et du coup, c'est super. Pourquoi est-ce qu'on voit le changement de couleur? C'est parce que la photo qu'on a importée est... c'est du PNG, d'accord? Il y a un fond transparent dessus. Ça, c'est notre première bannière et je trouve qu'on a fait du bon boulot. Ok? On a fait du bon boulot. Bon, le seul truc, si vous regardez là, par exemple, on regarde, on ramène de nouveau notre photo au JPEG. Vous voyez là, de là à là. D'ici à ici, c'est ce qu'on aimerait que les gens voient tout le temps, quoi qu'il arrive. D'accord? Mais le souci est que si vous regardez par exemple là, le trait là et le trait là, si je veux que les éléments importants de mon site soient vus, il faut que tous les éléments importants restent dans ces deux traits. Donc, il y a deux possibilités. Soit, au lieu d'intégrer la photo directement à la bannière, ok, on va plutôt la poser sur la bannière, d'accord, de manière à faire en sorte que on soit exactement comme la dame est sur la photo, c'est-à-dire que sa tête, etc. Bon, de toute façon, on va pas trouver cette dame-là. Il va falloir qu'on prenne une autre photo. Mais qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça et que la partie là, la partie courbée là, soit à l'intérieur des deux traits. Ce qui n'est pas encore, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ou on se dit, peu importe. Même s'il y a une certaine différence, c'est pas grave, on fait avec. Moi, je vais plutôt dire ça, peu importe, même s'il y a une certaine différence, on fait avec. D'accord? Comme ça, on avance. Du coup, je vais rajouter une seconde bannière. Je rajoute une seconde bannière qui est là. Hop. Bannière ou panneau, hein? D'accord? Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit par panneau. Alors, mais c'est aussi bannière au panneau, c'est la même chose. Ok, donc on y va, on va créer ça. Donc je change juste la couleur d'arrière-plan, je vais mettre tout blanc. Ok, je vire le test là, ça me plaît pas. Oui, supprimer, je réduis celui-là. Donc ce que je viens de faire. Je suis en train de mettre la partie blanche là, d'accord?
sur laquelle je viendrai poser la photo d'une personne, que ce soit une femme ou un homme, en cette position ou pas, on ne sait rien. J'ai pas encore trouvé la bonne photo. Donc voilà, et je vais rajouter aussi le titre en dessous, juste je vais mettre le titre. Donc, je suis en train, c'est ça que je suis en train de créer. Ça que je suis en train de créer. Alors, on y va. Ça, je l'ai fait. Du coup, je vais dupliquer. Comme ça m'évite. Et je vais augmenter, je vais agrandir ce panneau-là. J'agrandis la taille. La hauteur, au lieu que ce soit 200, ça va être 900. Et sur ça, en fait, je vais mettre quoi? Je vais créer ça. D'accord? Ça, je vais mettre ça dessus. Alors, pour ce faire, d'abord, je vais mettre un petit test là. Comme ça va me rappeler que faut qu'il y ait un titre là-bas. Alors, on va mettre un petit test. Autre chose, j'ai zappé, j'ai pas fait. Avant d'utiliser vos tests, je vous conseille, hein, ça c'est juste un conseil, après vous faites comme vous voulez, de régler vos tests d'abord, d'accord? Comme ça vous évitez, hein, comme ça tout sera harmonieux au fait sur votre site. Puis j'utilise du Montserrat parce que c'est fin et puis voilà. Okay. Après vous faites comme vous voulez. Maintenant même vous avez la possibilité aussi de télécharger vos propres polices. Je pense que c'est super. Donc vous avez le choix. Donc moi je vais mettre ça sur du 60 parce que 80 là, moi j'aime pas trop. Taille police sur mobile, je vais mettre ça sur 35. Ok, H2, pareil, Montserrat ou Helvetica. Parce que je trouve que c'est fin quoi. 45, oui, je laisse comme ça. En revanche, pour l'écart, bon, je laisse du 1-1 aussi pour le moment ou du 1-2. Je continue. Helvetica. Helvetica. Sachez que les modifications que vous faites ici, ça va s'appliquer sur tout votre site. D'accord? Alors, Helvetica. Je mets 2. Alors, Helvetica. Après, vous pouvez utiliser d'autres polices. Hein. Vous pouvez changer les polices selon les tags. Mais pour l'heure, je laisse comme ça. Je me casse pas la tête. S'il faut vraiment changer quelque chose, on verra. Donc là, on est au H4, H5, H5, Helvetica. Oh non, Montserrat. Je sais pas si c'est Montserrat, H3. Pardon, H3. Hauteur 1-3. J'ai mis Helvetica. Purée. Alors, Montserrat, je veux. A5, Montserrat, je pense, on a mis. A6, Montserrat. Montserrat. Et on augmente un peu. Hop. A6, paragraphe, surtout, 3. Et on va aussi utiliser du Montserrat. Ça c'est bon, j'enregistre tout ça. Et du coup, je vais ramener mon test. Je ramène mon test. Alors, on va aller chercher le test. Il est là. On va prendre du test H5. On va le rendre gras. D'accord, mon test, il est là. The magic happens when you roll out your mutton at. Ok, quelque chose comme ça. On va écrire un truc. Hein. Nous, on va écrire de la même façon. La magie, on ne traduit pas. Hein. La magie du sport à domicile. À domicile. Ok. Découvrez, oh purée, j'ai du mal. Découvrez notre. On n'est pas encore sur copyright, non. Je fais juste pour occuper l'espace. Notre programme. Programme. Purée.
programme sur mesure. Ok. Allez, on fait ça. Je vais le mettre gras. Tac. Je vais mettre même italique. Comme ça. Super. Et on centre un peu. On enlève ça. Ok. Donc là, on commence notre site tout doucement. Ok. Ah, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ok. Le test là, la boîte là, on va s'en occuper après. Ok. Et ce qu'il nous reste à créer maintenant, c'est cette partie. C'est cette partie. Ok. Je vous invite. On va voir ça dans le cours prochain. Comment on crée cette partie. Ok. À très vite.